Ceci est l'histoire d'un homme qui a perdu sa fortune en jouant aux courses. Un jour, il a pris tout ce qui lui restait, il a parié, il a perdu. Sir Johnson, en haute forme, aimait bien les courses, le turf, les hippodromes, 7 fois là, il paria ce qu'il avait au sweepstakes irlandais en répétant si Fleur de Rose pouvait gagner le grand sweepstakes irlandais, je serais l'homme le plus riche de la terre, j'aurais le tiers de l'Angleterre. J'ai sur les pattes de ce cheval placé tout mon capital, je suis sûr que c'est une bonne affaire. Moi j'ai du nez, moi j'ai du flair. Sir Johnson, sans haute forme, ne peut plus gagner le sweepstakes, ni même gagner sa croûte quand il boit et qu'il voit les chevaux de bois. Il rêve encore une fois tout en pensant si Fleur de Rose avait gagné le grand sweepstakes irlandais, je n'aurais pas connu Plaisir et Boss. Je roulerai dans une Rolls-Royce. Mes fleurs de rose en trébuchant sur la haie tout le Bataclan l'a mis tout au bout du champ par terre. Et moi, je suis les quatre fers en l'air. C'est à ce moment-là que je l'ai connu. Oh, pas longtemps. Juste assez pour qu'il me raconte tout ça. Et puis il est mort. Alors moi, j'ai poussé la charrette. Et pendant que je poussais, je pensais. Sir Johnson, où la forme s'en allait sur les vieux capots d'une charrette brinque-ballante, et tandis que je poussais mon ami vers son éternité, je lui disais si Fleur de Rose avait gagné le grand sweepstakes irlandais, il n'y aurait rien de changé, grand-père. Tu t'en irais quand même en terre. Quelle que soit la forme du linceul, que l'on soit lord, sœur ou seul, on s'en va sans emporter ses affaires. Et on fait tous la même prière. Et puis Amen, et puis Foster. Bye, bye, Johnson. Bye, bye.